Gros danger pour Haïtiens qui vivent sous le territoire national dominicana. Pendant la chasse contre les migrants haïtiens dans le territoire dominicain, on continue pour maltraiter les migrants haïtiens. Il y a un Dominicain qui touye 13 Haïtiens. Nous avons pour nous venir avec plus de détails pour vous sur ça. Et puis devant, parce que c'est un remède qui a couru dans la série des socialistes, pour les gens qui ont fait commentaire, demander un DGM qui s'est passé avec 13 Haïtiens qui ont assassiné. Ou pas, j'aime dire rien sur ça. Nous n'avons pas couru pour te bouer sur un remède qui n'a pas sur les réseaux sociaux. Nous avons une vidéo vraiment qui nous recevoir. Mais nous pouvons connaître ce que son bagage qui fait sur le territoire national dominicana. Parce que nous connaissons Dominique Pavé ou Haïtien, émigration Pavé ou Haïtien. Et le directeur général d'émigration, Benito Alcantara Valdés, a annoncé qu'il va augmenter la déportation haïtien en respect à los derechos humanos, cause goulet immigrants haïtien qui envahit sur le territoire national dominicana. Et l'autre côté, Luis Abinader a dénoncé flou migratoire à capil haïtien qui a manifesté sur le territoire national dominicana qui mettait Soberania nationale en risque. Et surtout pour défendre le palais national dominicana, côté un groupe haïtien, débarqué un groupe moune qui c'est famille haïtienne, ou bien ta capable dit qui fait un groupe haïtien qui fait tout le territoire national dominicana depuis plusieurs années, j'aime dire dans l'émission passée, mais qui pas jamais de nationalité. Moune sa yo qui a passé mauvais moment parce qu'il n'y a pas connaître ni en Haïti ni en la République dominicana parce que c'est là grand-parent qui fait, ou pas jamais de qu'on allait dans le pays sa yo, mais moune sa yo pas jamais de papier manifestation sa yo qui était sol plein de en pile moune. Défaite devant Palais National, c'est le débrosage qui pétait pour première fois sa fête dans l'histoire dominicana. Mauvaise nouvelle pour Haïtien Saint-Domingue. DGM, direction générale de migration. Abinadel compliqué bagaille pour Haïtien après manifestation devant Palais National Dominicana. Directeur de la migration, Abinadel Alcantara Valdés, annoncé à partir de vendredi 27 septembre 2024. Là, il va relancer opérative migrant par en PA. Alcantara rejeté tout organisation Amnesty International qui accusait agent migration en fraude. Dans fraude à corruption cap toucher l'agent nommé haïtien yo nad l'était parlé comme ça nad y cobra 5 à 15 000 pesos pour la repatriation de un haïtiano. Eso no es verdad. Aquí no se hace eso. Puede ser antes, pero ya se acabó. Ça c'est comme ça président directeur général migration te parlé. Alcantara montré que yo dévoué et peuple dominicain à président Abinader confié pour le faire et travail li et li pa kwè genyon interférence li te parlé comme ça tout dans micro journal là. No creo que se trata de una injerencia, pero nosotros tenemos la potestad de actuar de acuerdo a nuestra ley y nuestra constitución. Yo respeto las declaraciones de ella. Siempre la gente tiene deseo de que las cosas se hagan como ellos crean o mejor. Pero mejor que como lo estamos haciendo, nosotros no podemos hacerlo. Porque nosotros lo que estamos haciendo es, como dominicanos, que somos miembros de un país soberano, es respetando la ley y respetando los derechos humanos y deportando a todos los ilegales indocumentados que habitan en el territorio dominicano. Se consa el director de Pali, director de migración, no tuvo toda acusación sumando a agent de migración yo para camper su verité que pa gen zak abusiva ni discriminación su territorio nacional dominicano. Mes amis, a partir de vendredi de este viernes, semble bagayo pap gou pou haïtien illégal yo ki gen papier expiré yo sou territoire national dominicana. Bagayo pap facile pou di tout pou haïtien. Haïtien fait en pile prudent. Sou pa gen papier, attention. Rete connecté, talè m ap retourné pou m kapab vin ba nou plus détail nan yon titan. Partage émission. Toujours une opportunité pour migrants haïtiens qui légal sous territoire national dominicain capable d'un statut légal pour capable rester ou même qui déjà dans plan des gens capable rentrer madame petit tout mari ou la dame tout pour capable d'un petit canet temporaire travail pour capable rester et même j'ai un visa qui expiré pendant problème diplomatique visa pour qu'on stable dans République dominicaine capable de solliciter admission ça capable permettre ou venir rester légal petit canon là c'est expiré pour gagner passeport capable renouveler ni sans passeport ni avec passeport qui expiré comme ça ou capable rester légal sous sol dominicain.
dominicain mon besoin un bon avocat qui pourrait sous pas gagne capable contacter multiservice là dans numéro ça c'est 809 981 5108. C'est pas numéro PAM 809 941 5108. Ou pas besoin mandé pour moi, c'est pas numéro PAM. Y a PDO, y a capable ba ou service ou mettre faire confiance. M'a retourner pour ba ou plus détails dans un petit temps. Abonnez à la plateforme là. Saludo, bienvenido a todos, especialmente fanatiques de GM Migration Info Creolio. Déjà, salut nous, monsieur de nous encore, bienvenue. Toujours abonné avec plateforme ça, et puis, quittez un petit commentaire pour dire qui côté ou attendez nous, ça va faire nous plaisir. Les nous abonnés sans la c'est seul cadeau nous capable de faire un cadeau, abonnez et puis partagez du émission nous, tout côté. Gwodem le Zay éclaté devant Palais National à Dominicana après yon groupe haïtien qui fait sous territoire national Dominicana, Ligue 1 l'autre national de yon, tant que Vénézuélien, Vénézuélanos avec Cubanos, et dès qui fait depuis nan yon, nan grandi nan bataille et parents yon, et mouri depuis plusieurs années, c'est petit de grand-grand-parents yon, c'était haïtien avec Vénézuélanos, et puis Cuba, et puis Kibé. Ça a qui paraît compliqué la vie migrant sa yon, qui pa gen pièce papier, gen visite yon sous territoire national Dominicana, en pile nan yon, pa ka fin l'école yon, cause yon pa gen papier, et visite yon tout pa gen papier. Migrants si la yo qui te yo di yo pa immigrant c'est dominicain yo ye même gens yo te lancé en pile vieux boulette contre Abinadel faire connait que si yo même yo pa dominicain et bien Abinadel pa dominicain tout moun sa yo qui cause des blousailles ça a pété qui étonné en pile moun ça pa en rien toujours c'est puis devant bagaille yo pral continuer compliqué côté directeur général migration Benancio Alcantara la balle ça pral porter en pile réaction lui-même et même faire connait que li pral annoncer après des blousailles ça tout. Li fait connecter yon paquet migrants qui sous territoire national dominicana li pral mette tout moun sa ou yo parce que peuple dominicain yo bali la loi pour ça et gouvernement bali la loi pour ça bali pouvoir pour ça et doit appliquer la loi pour éliminer migratoire comme flou migratoire qui est sous territoire national dominicana pour façon haïtien sa yo réagir sous territoire national dominicana c'est donc yo fait pile petit et ti moun sa yo si yo même qui vient un problème encore les tout moun étonné ouais ça les connaît Alcantara Balde c'est un descendant haïtien tout lié qu'a vu sur l'équipe nationale dominicana. Bagay ça ressemble vraiment raide mes amis. Parce que les nous gardons ça qui a passé ça nous sonne d'autres, des gros partenaires qui candidat qui était président déjà que les Donald Trump, élément ça pas les haïtiens et puis ils sont étrangers. Même j'entends dans la République Dominicana, Abinadel, Pavle, ouais, pièce nation étranger, il dit même qui s'allie, ils sont étrangers. Avec dit c'est mon pauvre. Comme Haïti, c'est pays qui pire pauvre dans la Caraïbe là, ils ont obligé paix Haïti ou Pavle, ouais. Ça a vraiment drôle, vraiment compliqué dans sa capette là. Et bien, il y a une grosse action qui passe, quand on a étonné, tendé, que migration a même fait qu'on ait quantité de monde, qu'on ait rapatrié. Bon, ce n'est pas qui paraît vraiment drôle. Pendant le président, pendant le directeur général de migration, Benito Alcantara Valdés a annoncé que à partir de vendredi, ça, c'était Guernes, l'a fait action, il a passé à l'action pour remembrer. Et façon marche ou bien gens qu'on fait déjà pour chasser tous les migrants au côté y a des opérative migrant pas campé pour capable de renouveler le directeur général migration a cementé et le fait qu'on est dit peuple dominicain mettre compte sous lui la nettoyer pays a directeur migration qui s'est bien entendu Alcantara Valdés assuré dans journée assuré que et si dit ça après continuer à augmenter avec déportation dans tout site dans tout et déportation dans tout citoyen étranger qui est illégal dans le pays et puis yo qui ont fait respecter ou faire respecter droit y a fait un respect avec droit monde des choses humaines chaque youn yo ça c'est ça on fait connait pas seulement haïtien mais c'est tout le monde qui est illégal sur territoire national dominicana qui ont arrivé déporter monde ça yo Abinadel te même arrivé parler sur quelques réactions que mon yo te même utilisé pour être capable de critiquer la République dominicana dans quelques moyens pour faire connait que la République dominicana c'est habit qui a fait avec un migrant sayo qui yo prend dans République Dominicana pour capable maltraiter ou même dénoncer à faire monde qui dénoncer question de 5000 à 15000 personnes qui yo touché dans mais yo fait connait qui yo pas même reconnaître le président directeur général migration te parler comme ça là nous rivé dans direction rural de migration. Nous avons commencé travail dans objectif pour respect pour nous respecter la loi et depuis nous rivé
nous avons fait ça, nous avons fait ça. Toujours respecter les droits citoyens étrangers. Mes amis, si nous avons la patron sortie, c'est espagnol à créole m'appli. Nous allons arriver dans l'espagnol là. Nous avons perdu ou bien nous arriver dans créole là. Nous avons perdu sortie dans l'espagnol là. C'est parce que c'est traduction créole à espagnol m'a fait. Réponse à Alcantara Valdés vini après sa secrétaire sécurité citoyen démocratique à Douamoun aux États-Unis. Et où sera Zeya te mandé dans le gouvernement dominicain pour bailler tout le monde qui vient les rabios, inclus haïtiens et dominicains qui ont descendants haïtiens. Nous sommes capables de remarquer, pour exemple, pour un bon dominicain qui a un descendant haïtien, qui a manifesté devant le palais national, je ne sais pas déjà là, il a manifesté cause papier ou pas un petit ou pas aller à l'école. Ça a son bagage qui paraît vraiment compliqué. Il était allé comme ça, le directeur était allé comme ça. Il dit, moi pas pensé que c'est une interférence. Mais nous avons le pouvoir pour nous agir en accord avec la loi nous, avec la constitution nous. Moi respecte la déclaration li yo. Moun toujours vle bagay yo fait, jan yo kwè ou soir pi bon. Mais nous pas ka fè li pi bon passé jan ap fè l. Parce que ça n'ap fè a comme dominicain que nous y membre yon pays souverain. C'est respecter la loi. En respecter droit moun ak respecter droit moun ak déporter tout illégal qui pa gen papier qui habite sous territoire national dominicain. C'est comme ça Alcantara Valdés te dit bon relire pour nous capable comprendre dans langue espagnole. Creo que se trata de una injerencia, pero nosotros tenemos la potestad de actuar de acuerdo a nuestra ley y nuestra constitución. Yo respeto las declaraciones de ella. Siempre la gente tiene deseo de que las cosas se hagan como ellos crean o mejor. Pero mejor que como lo estamos haciendo, nosotros no podemos hacerlo. Porque nosotros lo que estamos haciendo es, como dominicanos que somos, miembros de un país soberano, es respetando la ley y respetando los derechos humanos, y deportando a todos los ilegales indocumentados que habitan en el territorio nacional dominicano. Ça c'est comme ça que le directeur général de migration a parlé. Dans ce sens, il fait connaître dans le moment où il a fait opération, à transférer prisonniers, dans sa intervention, il a fait déjeuner, manger midi, dîner avec correspondants, parce qu'il a été dans le côté de ça, pour un jour, côté de traité, avec le jour qu'il a venu, voyez, dans le pays d'origine. Et le directeur général de la migration a tout dénoncé pour les gens qui ont critiqué, qui ont quitté le monde, fait trop de temps dans la migration, il fait connaître, c'est prendre aujourd'hui, transférer dans le centre de détention, et puis, bah, manger bah au loup yo bien et puis en après qu'elle voyo aller mes amis ça me dit qu'on est menti Alcantara Valdés. Les journalistes ont approché dans un événement qui était fait dans Barahona, dans un événement qui était fait dans Barahona, demandé ensemble, demandé accent et sous tout que Jean dernier mois travail direction de la démigration a été renforcé, arrivé jusqu'à 1000 déportations chaque jour. Li fait connaître que dans mois JIA, c'est dans mois qui fait surpasser la JIA, surpasser là et citoyens étrangers qui auraient été illégalement dans pays a été déporté comme dans mois dans bon, presque dans tout le monde, même dans le mois où tu as augmenté, c'est 9500 dans le mois. Bon, presque chaque temps, quand tu es haïtien, tu as déporté un bagage qui paraît vraiment compliqué. Même Jean, tout directeur immigration, tu es décrit comme comme spéculation question sur 6 soldats qui fait opération yo nan la rue yo recevoir yon montant financier pour la guerre étranger. Il fait connaître que c'est pas vrai, question de 5 à 15 000 pesos pour apatriman yo et haïtien sa yo, c'est pas vrai, c'est moun kap créé bagay. Li dit si ça te comme cette diffusion kap fait, mais si ça te comme fait, nous pas besoin de que ça pas fait encore ça, c'est comme ça. Et directeur migration qui s'est bien entendu Alcantara Valdés, l'étape parlé pour profiter de défendre et pays, défendre et pays le cause tout ça et qui gagne ou bien cap dit sous pays. Ça a été vraiment paraître aller compliqué devant réponse ou les résultats qui en pile monde tape.
Pendant que nous avons la balle de continuer avec ça, migration dominicana continue à faire actualité. Côté gagné 13 haïtiens qui vivaient assassinés en bas mais un dominicain qui était dans une zone, c'est un blessé haïtien, ça a travaillé dans une zone là. Ils ont arrivé assassiné 13 agents migration qui est arrivé à Dominicain ça, assassiné 13 migrants haïtiens et agents migration tout est accomplice dans l'action ça. C'est la migration avec un citoyen civil dominicain qui a assassiné 13 haïtiens ça. Yo, et côté qui en pile l'autre bagaille qui va aller contre yo, mais jusqu'à nos jours, nous jouons une vidéo vraiment qui vient comme évidence et qui est capable de montrer mes vidéos, pas montrer vraiment mes amis pour moi qui a suivi vidéo ça yo, sur les réseaux à fond de bien ça m'a dit yo. Et moi, vidéo a vraiment partagé ensemble avec mes vidéos ça n'est pas semblé avec un bagaille qui fait sur le territoire national dominicana, même s'il t'a fait à qui la République dominicana, nous avons vu notre émission pour nous expliquer au lit pour pas dire n'a pas ou menti. Mais nous pas voulu tout pour nous voyer monter pour nous dire mais oui ça a été fait là et bien pas vrai ça a pas fait vrai. Nous continuons à suivre pour nous qui gens ça a venu qui gens ça y est pour nous capable avoir plus de détails sur ça. C'est dans tout réseau yo moi y a partagé et il y a une vidéo qui très drôle qui bien sans la dedans pour j'en vidéo ça il y a dans mon yo tout semblait qui mourir dans poison dans poison et quelque l'autre tout c'est ramené yo ba yo ta gain l'autre tout et c'est à va coupe manchette yo mais nous pas capable dire comment si son seul dominicain te catouiller tout le monde ça moi-même moi dans vidéo. Et pour moun tout qui c'est fanatique fanatique nou yo qui besoin wè vidéo ça a regarder dans description émission vidéo émission là ou après link WhatsApp là avec link canal Telegram là pour moun qui peut wè vidéo a moi partager vidéo sous li al cliquer sous li pour nous capable wè vidéo a moi pral partager vidéo a donc pero nous connaît des vidéos qui pas ka wè et sous pas arrêter sur WhatsApp canal WhatsApp là y a bloqué mais sous Telegram on peut tout bagaille abonner avec canal Telegram non cliquer dans le clan ou bien WhatsApp là tout parce que n'a partagé vidéo si pas le problème la arrêter sur WhatsApp nous pas bon Telegram pas quoi pas problème ni groupe canal WhatsApp là pour vidéo ça nous pas partager le groupe nous depuis pas supprimer lui accepter nous on capable vidéo pour une vidéo qui vraiment gagne en pile sans la donner en pile action la donne mais c'est pas et 13 haïtiens qui mourent et qui assassinent vraiment, vous faites connaître ces dominicains qui tuent 13 haïtiens ça y est. Et non seulement ces dominicains, il y a un dominicain qui t'a tué, pas dominicain qui tuent non, il y a un seul dominicain qui tuent tout. Et bon, l'autre côté, vous faites quoi, il y a un membre de la direction de l'immigration qui t'a participé dans l'action ça y est. N'a pas gagné pour nous capables de faire plus de détails, non, l'autre, bon, émission qui nous chercher plus d'informations parce que nous, elle a partagé, toi, pour nous avoir écrit en bas vidéo, pour nous avoir réagi sur ça, nous choisir réagir, mais nous pas qu'à courir à faire même avec tout le monde, pour nous presser, voyez monter sans que nous parlions. Rivé ouais bagaille la chaîne hier pour nous capable dire exactement parce que beaucoup de personnes qui parlent sur ça et on bagaille qui gagne environ 3 à 4 jours nous pensons que tarou gagne monde qui parle sur ça en autorité ou bien plus bagaille ta fait nous beaucoup en place pièce média rapporter le tout et nous même nous pas capable pour nous dire nous arriver dans l'IA nous pas connait qui côté parce que pas jamais préciser qui côté mais ça a pas semblé avec un bagaille qui fait sur territoire national dominicain parce que et semblé c'est plus un bon bagaille non rage bon ça arrivé c'est non fin cas. Mais Jean Baez a fait autorité dominicaine tellement prudent, je pense que tu as pris en façon pour réagir quand même si c'est ton bagage vraiment qui t'est fait sur le territoire national dominicain. Et de toute façon, bon, bah, nous, bonne nouvelle ça. Bonne nouvelle! Pour migrants haïtiens qui sont illégaux sur le territoire national dominicain, toujours une opportunité pour capable venir légal sur illégal. Premièrement, si on déjà dans plan, ou capable d'entrer ni madame, ni mari, ou ni petit, ou bien maman, papa, ou la dame, pour capable permettre que même un statut légal tout pour être sur le territoire national dominicain. Légal pour suspendre. Ou il y a un agent migration. Ça allait plus loin toujours. Ou même qui gagne visa expiré, ou bien, et, ou pas de jambes gagne visa, mais dès que vous gagne passeport ou bien carte électorale, ou capable de solliciter admission. Qui importance qui gagne? Importance qui gagne de solliciter admission, nan, ou vin gagne un reçu dans mon reçu ça, li capable de permettre ou rete. Malgré migration, capable toujours pour yon déporter, mais en pile monde, j'ai un privilège pour pas déporter, parce que dès que vous fait admission, c'est que vous avez un système migration dans la République Dominicana. Même si vous n'avez pas jeune papier aujourd'hui ou pas jeune ni demain, mais vous jeune quand même parce que vous la donne. Mais il faut nous toujours checker si papier nous parce que vous connaissez rechassa ou les rechassa pour connaître qui ça pour faire pour capable jeune. Moun qui a un document qui rechassa ou, toujours contacter yon avocat. Si vous n'avez pas nous pour le numéro de service qui est capable d'aider ensemble avec pour capable résoudre le problème. Très facile, bien facile. Mais ce n'est pas bagaille gratis. Même ça avec moun qui a qui peut renouveler parce que vous avez un problème passeport ou vous avez accès pour capable renouveler sans passeport ou bien avec passeport qui expire. Mais ça va veut dire qu'il y a un baoul. Mais il faut dégager, faire passeport pour capable de joindre.
et ou même tu es déjà renouvelé ti carnet ou pour capable ou pas besoin perdre du temps ni al bay booster qu'on y en mettant parce que yo pral baoul ouais mon yo poko relio yo pral relio nous mettre fait ti poser pas besoin en bay tête ton problème parce que déjà renouvelé carnet ou là pas besoin dépenser l'argent pour booster ou mettre poser oui sur nous capable booster pour plus rapide mon mettre temps pas gain pièce problème ou bien papier ou capable contacter multi service dans numéro ça sous pas gain monde qui pour aider ou capable contacter dans 809 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